les symboles et le ministère du Saint-Esprit. Il dit, ce maintenant nous là pour nous, l'Église pentecôtiste unie là pour honorer le ministère du Saint-Esprit. Nous là pour nous honorer la personne du Saint-Esprit. Nous sommes là pour honorer son œuvre. Et nous souhaitons que l'honneur aille aller au-delà de ce maintenant. Parce que, comme nous dire, il est impossible pour un vrai croyant si vous n'avez pas gagné cet esprit avec vous. Hein? Parce que c'est temps pâle, c'est dispensation pâle, c'est lit pour aider les gens à servir mon Dieu. Vous ne pouvez pas servir mon Dieu bien sans lit. Aucun prédicateur n'est pas efficace sans lit. Aucun enseignant pas qu'à efficace sans lit. Et on verra ça ce soir à partir de son ministère. On a dit depuis le premier jour là, la Bible lui parlait du Saint-Esprit en. C'est la régénération, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Nous lui parlait du Saint-Esprit sur. C'est l'onction, c'est Actes des Apôtres chapitre 2, c'est message du soir, la puissance du Saint-Esprit. Et il y a le Saint-Esprit avec l'accompagnement. C'est comme si c'est lui qui a mené nous, pour marcher avec nous, pour lui orienter nous. C'est son ministère. Et lui, bon mes frères, même si c'est un simple croyant, pour gagner cet esprit côte à côte avec vous cap marcher dans la course chrétienne. Est-ce que l'Église attendait ça me dire? Il est indispensable pour quel que soit croyant, que tu es un simple croyant, pour gagner cet esprit côte à côte ensemble avec vous. C'est ça qu'il faut arriver. Amen. C'est ça qui peut faire arriver. Il faut bailler cet esprit une place primordiale dans la vie, dans le foyer, encore plus dans le ministère. Amen. C'est très important. Hier soir, nous t'ai énoncé deux, trois noms symboles. Nous dit c'est des signes figuratifs. Nous t'ai dit c'est mode opératoire. Et façon nous capables, well, nous capables de détecter comment il agit. Certes, il est Dieu, mais en tant que Dieu, il a fait le visible, mais l'invisible. Il y a une personne qui est capable de prendre une forme corps si c'est nécessaire, si le besoin se fait sentir, mais il n'est pas forcément un corps. Mais elle te gagne, nous te voit qu'elle te gagne des traits de caractéristiques qui caractérisent une personne. Mais maintenant, et mode opératoire, comment nous kawel, et certaines fois, on te dit que hier, il manifestait sous forme vent, hein, sous forme vent souffle, un vent impétueux. On te dit que les sas a montré que invisible, irrépréhensible, son action céleste, une action qui sortit en haut, une action souveraine. Et nous regardons Ézéchiel chapitre 37. On dit que ce n'est pas forcément que pour nous, c'est pour nous souffler sur le monde. Non, ça ne se fait pas. Ok? Ça ne se fait pas. Ça, c'est bagaille, mais céleste. Oui ou non? Diabolique. Ça va vous le dire pour me venir chita là, pour me venir pour me venir souffler sur nous. Et puis nous, on a fait ça pour un Bible d'achat d'espérance sur nous, à la caille nous. Là, avec nous, une sous télévision, sur YouTube, changez chaîne. Nous, on a un diable. Amen. On a un diable. On a magie. On a magie.
Il était présenté sous forme colombe dans le baptême Jésus-Christ dans Luc sous forme colombe. Ça va vous dire tout le temps l'obligé présenté comme ça, mais colombe, c'est symbole de douceur, de tendresse, de pureté, c'est de grâce, de consolation, d'innocence, d'humilité. D'humilité, et on verra ça avec le fruit de l'esprit. Si vous gagnez cet esprit, là où, il faut être humble. Amen. On va pas orgueiller. Si on bat tutelle, on va contrôler cet esprit, on va pas faire grand pompe, grand disert. Au contraire, c'est descendre pour descendre. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Dédié, le symbole, il y en a un symbole, c'est l'huile. Mais c'est l'onction. C'est l'onction. Il dit que l'onction, c'est puissance, c'est autorité, c'est capacité. Mais ça va pas vous dire qu'on y a là, m'obliger, venir trouver mon machin de l'huile, m'a vendre l'huile sous nom Saint-Esprit. Comme si c'est Saint-Esprit. Non. L'huile là, c'est symbole d'onction. Bien que nous dit que, écoutez, Jacques dit, ancien qu'a servi pour question les monde malade, mais c'est seulement un aspect curatif. Mais il n'y a rien pour louer avec cet esprit. Là, nous avons l'huile, nous avons l'onction. Cet esprit, c'est ça, il y a un symbole. C'est aussi le feu. Acte 2, verset 3 et verset 4, c'est dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et dans Matthieu, chapitre 3, verset 11 et verset 12, Jean-Baptiste, qui devrait préparer le chemin pour Christ, dit que Sila, qui a pu après, à savoir Jésus-Christ, les plus puissants par celle, lui-même l'a pu gagner pour le baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est un symbole. Et je suis convaincu que l'une des manifestations du Saint-Esprit qui est interne, c'est pas externe, c'est souvent pas visible, ouais, pas visible. Le vent, c'est pas visible, c'est un travail que l'a fait sans monde, pas, ouais, sans pour ne pas rendre compte. Et puis Saint-Esprit travaille. Colombe, c'est peut-être visible, monde, kawel, ok, mais le feu, ou kababarel, mais c'est yonna manifestation du Saint-Esprit. Et des gens, des croyants, peuvent le sentir comme ça, ou sentir du feu. Peut-être sous dans la présence du Seigneur, ou dans la prière, ou dans l'adoration, sous une forme ou l'autre, ou qu'a senti du feu. Et là, c'est littéral, ou même, ou qu'a senti, soit dans le cœur, soit dans le front, soit dans la bouche, personnellement, ou qu'a senti du feu. Et ça me dit là, ou mettre à l'expérimenter. Ça ne veut pas dire que cet esprit est obligé de manifester sur le monde avec le feu, ok? Mais pour certaines personnes, il le fait, ok? Pour des raisons, je ne sais pas, mais le feu, c'est symbole de purification, c'est symbole de nettoyage. Amen? C'est symbole de nettoyage. Ça me dit là, ou métal. Expérimenter, le prier, bon Dieu, cela peut se faire. Les venir sous forme l'eau vive, hein, sous forme de l'eau, on verra ça, lui parler de yon symbole lié dans Jean chapitre 4, le verset 14, et dans relation, dans conversation, Jésus-Christ avec la femme samaritaine, quand il devait évangéliser la femme, on a parlé de l'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. La femme a dit que, voilà, moi je veux nous de l'eau que moi qui satisfait soif moi. Et dans Jean 3, verset 3 et verset 5, et Jésus-Christ, dans son enseignement avec Nicodème, lui parlait de l'eau dans le processus de la nouvelle naissance. Eh bien, il dit qu'il faut être né d'eau et d'esprit. Né d'eau et d'esprit. D'esprit, c'est une naissance spirituelle. Ok? C'est une naissance spirituelle. C'est pas de la chair et le sang.
T'as qu'on le dit dans Jean chapitre en premier verset 12 et 13. Mais l'eau, c'est aussi symbole du nettoyage. C'est-à-dire quand quelqu'un est né de nouveau, il a connu une naissance spirituelle, mais aussi l'y nettoyer, l'y laver, l'y sanctifier. Amen. L'y sanctifier. D'où c'est impossible que le monde qui dit que le Christ pour la pratiquer péché, pour la pratiquer ancienne vie qu'elle te gagne avant, pour la mener même vie avec le monde. Même si tu as eu comme ça, ou tu as ou l'église, ou tu as quatre membres dans la main, ou tu as un titan dans l'église, là, mais si tu as eu mené même vie païenne, qu'on est ou pas converti, qu'on n'a pas qu'on sauvé, la paix bon Dieu avait ou l'église. Là. Ou mettre le chachon au coin, ou mettre tête ou, pour confesser péché, ou, pour ouais, soit joindre le salut. Même si c'est grand d'être l'église, mon poco converti. Amen. L'église là, c'est aussi, nous t'ai parlé du symbole, de sceau en tant que symbole. Le sceau, ça vient authentifier la décision que lorsque nous d'accord pour marcher avec le Seigneur, Ephésiens 1er 13, Ephésiens 4, 30, eh bien, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ouais, ça vient, il vient authentifier et relation. Ça communique l'assurance que nous sommes sauvés. D'où nous avons preuve dans la main. Nous. Ouais. Et c'est pas visible, mais le monde invisible connaît tout le monde qui est sauvé. Amen. Et on est tout le monde qui gagne soi. Moi, je connais l'illustration d'un frère et membre d'une église locale en Haïti que je connais, que je ne vais pas les citer. Et le frère en question, il était dans la chute. Il était dans la chute. Il n'était pas de l'abandon. Il était dans la chute. Et elle n'a pas son mauvais mouvement parce que l'évangile n'a pas fait sans épreuve. Hein? Il n'a pas son mauvais moment. Et monsieur, ce n'est pas pratique. Mais monsieur a décidé l'alcaïongan pour l'ouest si baïo qu'a amélioré économiquement pour lui. Parce que elle a été due en pile. Monsieur Alcaïongan. Il est arrivé à Kaïongan. Tout ça, on a fait, loi pas jamais descend. Tout ça, on a fait, tout ça, le cacone, loi pas jamais descend. Mais c'est comprendre que, qu'il y a les gombais drôles. Et bien, et M. quitté n'est là quelque part, il y a écarté, il a relé loi. Loi dit, vini qu'on y a, ma pour rapporter au témoignage, frère allait le retourner. Les gagné les lois, loi vini gouné. Loi dit, monsieur va pour nous, non? Et descend, baka descend, oui. Il dit, allons folle pour eux, waouh, lumière, lumière. Et descend, baka descend, oui. Il dit, monsieur, c'est pas pour nous lier, non? Monsieur, son mauvais moment l'a traversé. Son bail, il vient prendre un menu, même pas qu'à venir parce que Alan Fol, ou après on lumière, lui-même, pas qu'à venir. Et on gars dit, monsieur, regardez comment ça passe, retourne à l'église, vous donnez, bon, ben, restez moins blanche. La paix, bon, Dieu, à faire. L'ordre de Christ, ou bien lumière, l'évangile, la lumière, c'est l'esprit, non. Comme mon cap dit, béni soit l'éternel. On dit, l'ordre de Christ, ou bien lumière, c'est l'esprit, non. Amen, nous marquer du sceau de Dieu. Le monde invisible, well. Amen. Well. Et monsieur, tournez avec témoignage, ça. Vous le reprenez dans la foi. Reprenez dans la foi. Et l'autre symbole que la Bible lui parle, nous, c'est le gage et les arts. C'est signifie avaloir.
Ephésiens 1er 13 14 2 Corinthiens 1er 21 22 c'est comme nous avaloir que nous gagnons main nous que lorsque trompette la sonné nous serons comptés parmi les gens cap que pour enlever que ce sera merveilleux bien-aimé et le ministère du Saint-Esprit le Jean 14 verset 15 à 18 si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dans Jean 16, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans Romains, Romains chapitre 8, verset 26 et verset 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimé, impossible pour mon faire l'Évangile, vous servir mon Dieu pour compte. Le ciel la compte ça. Amen. Le ciel la compte ça. Oh, c'est Jean 14, après Jean 13. Dans Jean 13, c'est le lavement des pieds, c'est la Sainte Cène. Et Judas a été autorisé d'aller vendre, d'aller négocier Jésus-Christ. Et puis, en son absence, pendant l'absent, le Seigneur a enseigné ses disciples en l'absence de Judas. Dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, et Judas va revenir au chapitre 18. Dans Jean 14, il a parlé du Saint-Esprit. Il dit, « Moi, pralé, m'pral bâti pour nous une place, il aime venir, m'a prend nous ensemble avec moi. » Et puis ensuite, il parlait de la venue du Consolateur. Dans Jean 15, il dit que c'est pour disciples attaché ensemble avec lui, lui-même, lui, c'est maman pied-bois, nous-mêmes, nous, c'est branchant. Pour nous, productifs, il faut nous être attachés à lui. Jean 16, il est revenu avec le même discours de Jean chapitre 14. Et en Jean 17, il a prié pour nous. Il priait pour ceux là qui sont ensemble avec elle, il priait pour nous-mêmes qui t'a venu, journée, jeudi. Et dans Jean 18, Judas pral vini. Pendant chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, Judas pral là. Moi dis ces choses-là ne concernent pas les gens qui ne sont pas sauvés.
Si vous pas sous l'évangile, ça vous pas sous pour vous. C'est pour les gens qui ont servi bon Dieu que vous êtes. Dans Jean 14, le Seigneur dit, je ne pas quitter nous orphelins. Je ne pas quitter nous orphelins. C'est comme pour dire que je ne pas quitter nous seul. Je ne pas quitter nous seul. Parce que, moi te dis où ça, rester orphelin, c'est rester vulnérable. Pas quitter nous seul, pas quitter nous orphelin. Il dit, m'a prié papa, et la banne nous, yon l'autre consolateur. Ça veut dire que Christ, lui aussi, c'est un consolateur. Mais ministère parle, prend fin avec la mort et résurrection. Il dit que le Père est responsable pour concevoir plan, c'est lui qui plan ça lui a, c'est lui qui élabore, c'est le constructeur. Jésus-Christ est l'exécuteur et moun ka vin applique là, c'est Saint-Esprit. Ouais, c'est Saint-Esprit. C'est en parle. Les gagnants ministère parle. Il dit, en tant que consolateur, l'a demeuré éternellement avec nous. Ouais? Éternellement l'a plat avec nous. D'où cet esprit, lorsque yon moun vini à la foi, li retenant ou net. Amen. Li pas là pour un petit temps. Li habiter la vie ou net. Il lit éternellement, li là avec vous. L'esprit de vérité, qui mettait précision à samedi dia, que le monde pas qu'à recevoir. Ouais, le monde pas qu'à recevoir lui. Parce que y'a pas qu'on est bon Dieu. Y'a pas qu'on est bon Dieu. Le Seigneur dit, m'a voyé pour nous ce consolateur. C'est yon ministère cet esprit. Il est là comme consolateur, mes bien-aimés. En tant que consolateur, ce terme que grec l'a choisi par parakletos, qui signifie paraclet. Paraclet qui signifie celui que l'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. En tant que cet esprit, il a bon côté nous pour l'aider nous. Parce que nous besoin qu'on ait que, c'est une réalité que moi avons besoin de peser, que nous faisons en pile. Amen. Jou qu'on en fait dans l'évangile d'eau à terre. Vous dans des âmes là, jour qu'on en fond dans l'évangile, ou à terre. Jour qu'on en puissant, ou à terre. Jour qu'on en gros prédicateur, ou gros pasteur, ou gros bishop, ou à terre. Amen. C'est pour toujours qu'on mène tête ou en pitié, en faible, en monde qui besoin d'aide. Amen. Comme un monde qui est d'accord pour recevoir aide à soi. Levez-moi à l'aide. Dis, cet esprit, besoin d'aide. Et Jésus connaît le besoin. Le Père connaît que nous besoin d'aide. Et puis il baille cet esprit. Il dit, c'est en tant que paraclétos, il est là à côté de nous. Il dit, t'aime ça, paraclétos là, il voulait dire consolateur, il est là pour consoler nous, il est là pour lui aider nous. C'est un conseiller, c'est un avocat, c'est un intercesseur, c'est un allié, c'est un ami. Ah. Mais tout drôle, cet esprit, il est là pour le faire bon côté nous, bien-aimés. Et c'est vrai. C'est vrai. En pile fois, moi avec vous, nous faiblissons.
C'est cet esprit qui aide nous. Amen. Amen. Un monde qui fort, non, il va t'a tomber. Et ça fait, lorsque un frère ou bien une sœur tomber, pas juger le droit de dire non. Je ne vais pas demander pour baptiser avec péché. Mais utiliser plus de souplesse. Un des gens qui ont jugé, c'est comme si lui-même son grand orient. Si ça arrive, ou pas tomber. Ou bien on pas jamais tomber son grâce. Ça veut dire, avec. Levez-moi et dis, Seigneur, merci pour grâce. Qui soyez pour ne pas tomber? Qui soyez? Bon, quand on a des filles qui disent, bon, moi-même, je vais chéter. Je ne sais pas si c'est naturel ou diabolique. Et comme si mesdames, yo, à part de grâce, mon Dieu, à part de cet esprit, si on dit, à pour un nègre, pour quand même. Je ne sais pas si c'est diabolique ou bien naturel. Mais si c'est doux, si ce n'est pas grâce, mon Dieu, il y a tout. Et ça fait. Il faut courir loin. Et l'on courir loin, ça n'a pas 27 esprits. La même bon Dieu avait, oui. Ça n'a pas 27 esprits. Et ça, quand des fois, on a saisi pour elle, le dos à terre, on m'a dit, comment on fait tout là? La même bon Dieu avait, oui. Ah. Mais Dieu connaît, il baille cet esprit pour aider, non? Oh, m'lo campé, baille cet esprit, action de grâce. Parce qu'il y a d'eau dans la vie chrétienne, ou pour pas tomber. Amen. Il y a d'eau. Bah, il y a action de grâce ce soir. Bah, cet esprit, action de grâce. Oh, bah, il y a action de grâce. Oui, levez-moi, ou balancez-le. Ouvrez bouche pour dire merci. Parce qu'il kembe ou dans la foi. Amen. Parce qu'il kembe ou dans la foi. Parce qu'il kembe ou dans la grâce. Oh, cet esprit-là, pour l'aider nous, il a comme un ami. Il est là comme un allié, il est là comme un intercesseur, comme un avocat, comme un conseiller. Il est là pour aider nous, dans la faiblesse nous. Amen. Oui, il est là, mais des fois nous forts, nous faibles. Lui-même, il fortifie nous. Amen. Il fortifie nous. Levez-moi, on dit gloire au Saint-Esprit. Dis ça, puis faut encore pendant Wapchita. Gloire au Saint-Esprit. Mais Chita, cet esprit, bien-aimé, son source de force. Amen. Son source de force. Là, on ne peut pas parler pour le ministère. Le ministère, ministère de, oh non. Le ministère du Saint-Esprit auprès de où? C'est pas où dans le ministère, non. Mais c'est où en tant que croyant. C'est le Saint-Esprit avec, qu'avec où? Amen. Avec où? Avec gain de foi. Même dans l'église. Ou ta ou joué une bagaille qui pour ta force chuter. Il y a des bagailles qui fêtent dans l'église, il y a des bagailles qui pour voyer au dehors. Il y a des scandales qui tombent dans l'église, il y a des bagailles pour ne pas jamais citer moi ça du tout dans le vocabulaire. Mais cet esprit lui-même, lié de Dieu, l'avait bon Dieu avec ou l'église. Hein? Oh, il fortifie nous. Amen. Cet esprit fortifie nous. Alléluia. Il fortifie nous. Il fortifie nous. Il y a une direction pour nous suivre dans la vie. Nous. Amen. Il y a une direction pour nous suivre dans la vie. Nous. Dans verset 26. Mais le Consolateur, dans Jean 14, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est un super enseignant. Amen. C'est un super enseignant. Le Saint-Esprit. Pas de plus bon passé. Amen. Et moi, m'honore. Il y a des fois, il y a des textes qui paraissent obscurs. Et pas aucun théologien qui bien interprété texte là, mais même lui ouvert j'ai au souli. Amen. Je connais une servante qui vit aux États-Unis. C'est pas un très grand intellectuel. C'est quelqu'un qui pas connaît rien dans la question interpréter la Bible. Et qui a
Sam Takarile dans le domaine de théologie, il y a des questions brûlantes que pile monde qui a fait discours sur lui et puis il lui dit lui-même personnellement, il a une décision arrêtée et je partage sa décision parce que il dit cet esprit ouvre Gilles, ça monde pas comprendre, chaque monde a dit un bagage là et puis cet esprit explique il dit le même bagage là. Là ben bon Dieu avec mais vite à soi pour faire zami avec cet esprit son meilleur enseignant. Amen. Moi toujours l'école et m'a pensé au niveau de l'école biblique. Mais moi reconnaître meilleur professeur et cet esprit. Que bon Dieu bénisse l'église. Si vous voulez acheter livre, vous achetez bon livre. Mais avant bon livre, cet esprit. Besoin de dire amen là. Dis avec avant bon livre, cet esprit. Avant l'école théologie, cet esprit. Amen l'église là. Avant l'école théologie, cet esprit. Même pas d'accord tout, n'est qui pas à l'école. Amen. Il dit que et cet esprit professeur. Il y a des bagages, cet esprit connaît le dégât. Bon connaissance déjà, et l'a même pour une chita pour une bonne. Il pas prévu l'eau encore. Parce qu'on a une capacité, ou a moyen pour l'école, c'est un gars qui l'entend tout. Il n'y a aucun autodidacte dans l'évangile. Amen. C'est chita dans main cet esprit et dans main professeur. Amen. L'église là, on ne peut pas faire des ordres sous nos protestants. Je dis, seul les protestants n'a pas besoin des ordres. Seul les protestants. Non. C'est même l'évangile là qui trace cette trace ancienne. Amen. Faut comprendre, hein. Et ouais, Paul, pas de gain fort passé. Tout le monde met chapeau bas devant. L'elfin frappé, bon Dieu, voyez, elle ruin Ananias. Il est plus fort passé Ananias là. Elle dit, allez, parce que c'est un ancien. Allez, elle ruin yo. Christ paraît à lui personnellement, oui, mais elle voyez, faisait trace là, faut le respecter. Amen, l'église là, je ne dis pas, je n'ouvrier pas, vous les respectez anciens. Ils ne peuvent pas marcher sous trace ancien. Alors c'est même Bible là qui dit, pas déplacer bon ancien, te mettez à. Amen. Je dis, moi nous voulons faire l'évangile à la jeunesse. À la jeunesse 2021. Et qu'on a fait. Et qu'on a fait. Et qu'on s'en a modernisé. Je dis, il y a déplacé bon ancien. Ils ne veulent pas l'évangile ancien, alors que c'est l'évangile ancien qui est miracle là-dedans. C'est l'évangile ancien qui parle en d'autres langues là-dedans. C'est l'évangile ancien qui chasse les démons là-dedans. Si vous ne voulez pas l'entendre, c'est une vérité. C'est l'évangile ancien qui a sanctification, sainteté. L'évangile moderne, je dis, ils ne veulent pas parler de péché. Ils ne veulent pas parler de l'enfer, alors qu'ils sont réels. Nous faisons l'évangile moderne, je ne dis pas. L'évangile à la jeunesse. À l'église, la jeunesse, c'est un coulon sale cinéma. Salle, trois cafés noirs. Amen, bon Dieu, amen. Trois cafés noirs. L'évangile, c'est lumière. L'évangile, c'est l'enfer noir. L'enfer noir, il a besoin de faire des autres. Dans le cinéma, j'ai un petit garçon de demain et une fille, et puis il éteint la lumière. La paix, bon Dieu, avec vous. Mais c'est pour moi, et pour vous, j'ai l'autre. La paix, bon Dieu, avec vous, l'église. Là. Ah, l'évangile, ça me révoque. Amen. L'évangile, Genèse 2000 ans. Amen. L'évangile, sans chaussettes, là. Avec la poutre pantalon, libasté. Quand on dit, ça sorti. Avec la sans chaussettes. Et puis le pasteur. Sans chaussette, Tichan, il est en pied li, il est bout de pantalon sous le lit, il est là, qui est en cours ancien, il est sauvé dans la prison, et puis il est pasteur, il est sous chair, il est pour diriger le culte là, il est pour prêcher. Qui bagaille ça? La paix mondiale, vers nous l'église là. Ou l'évangile ribambelle, m'dan dans Montréal, m'boko wè ça, parce que moi m'dabar et ça m'a vie de malé, m'dan de nèg qui pral jouer musique là, l'école dominicale fini, et puis nèg la kounye a, li saute de a, li prend de noy, et puis l'el gade qui est-ce qui a vine jouer, c'est lui-même qui musicien. Quand bagay ça a sorti,
Et puis, mal propre était ça. On t'a quitté au bout québécois. Et puis, nous-mêmes, nous proposons d'éclairer nous. Nous ne pouvons pas marcher côté haïtien. Elle là pour nous marcher. Nous, est ça est pour nous. Nous, est ça est l'évangile. La paix, mon Dieu, avec nous. Et puis, vous mettez cet esprit de côté. Vous mettez la parole de côté. Sanctification, pas prêcher. La crainte, pas prêcher. L'humilité, pas prêcher. Fuir l'esprit, pas prêcher. Péché, pas prêcher. L'enfer, pas prêcher. C'est seulement, mais ça pour faire pour héros. Mais ça pour faire pour béni. Mais elle voilà. L'évangile, c'est rattraper. La paix mondiale avec l'évangile, c'est d'abord la crainte, la sanctification, la sainteté. L'évangile, c'est le fruit de l'esprit. L'évangile, c'est une vie à part. L'évangile, c'est mettre à genoux. L'évangile, c'est sous sac. L'évangile, c'est sous pauvreté. L'évangile, c'est dans le jeûne. C'est veille de nuit. C'est chercher mon Dieu. Amen. Cherchez volonté, mon Dieu. Et pas fun, l'église, elle fait pas. Et bon, ben, elle va là. Elle a fait des ordres. Et vous donnez aux leaders, aux pasteurs, aux Saint-Esprit professeurs. Et moun, laissez former. Amen. Former. Et que même qui osait dire, premier apôtre, par l'école biblique, où sont trop? Où sont trop? Le meilleur professeur, Jésus-Christ, fait 3 ans aux théories et pratiques. La nuit coule la journée. Théorie pratique. Ah ah! Ont plus de centaines de paraboles le texte à côté là. On sait que miracle a fait et puis que quand elle est elle dit monsieur, prends la mer, pratique. Amen. Prends la mer, pratique. L'ivoire monsieur, il y a 2 tournées de missionnaires le texte là. Amen. 2 tournées d'évangélisation quand elle voyait l'ivoire directive. Théorie pratique pendant 3 ans avec le grand maître par excellence, la journée coule la nuit. Et pour mon chrétien, à fin de à l'école, ou dans l'école, c'est l'esprit qui a été ça. Amen. Amen. Bon Dieu bénis nous. Oui, nous reconnaître cet esprit, c'est le meilleur enseignant. C'est le plus grand. Enseignant. Yeah? L'on fait un diplôme, et vous déposez un pile. Amen. Et vous toujours êtes un pile. Amen. Vous n'êtes pas jamais 3 fois dans l'homilétique. Amen. Vous n'êtes pas jamais 3 fois dans l'herméneutique. Vous n'êtes pas jamais 3 fois dans la théologie. Amen. Vous n'êtes pas jamais 3 fois dans le leadership, dans le diriger le monde sur le plan ecclésiastique. Qu'il y a des décisions qui sont venues devant vous, pas aucun cas d'espèce. C'est pour aller à genoux devant le Seigneur de la prière pour ouvrir le chemin pour voir qui chemin pour prendre. C'est le meilleur enseignant. Et m'honorer. Amen. M'honorer en tant qu'enseignant. Bien. En tant qu'enseignant, en tant qu'instructeur. Il est là pour lui instruire nous, pour lui assurer nous. Et si vous regardez le texte, lui aussi lui fait rappel. C'est une méthode pour un professeur, c'est il rappeler nous. Ça nous déconnaît. Peut-être me dit nous ici déjà, ou bien me dit des micros déjà en maître fois. Je vais le dire encore pour honorer le ministère. Du Saint-Esprit. Songez, l'aime fin fait et seconde, songez ça. Sortir en ville, aller dans la province, la Caïmoué, et puis, il y a mon dans zone peut-être captonem, qui connaît, qui était la Caïmoué, et puis, mal joué domino, tigène,
Même mon l'église, bon Dieu, il y a deux volumes sur moi. Mal joué domino, qu'on est en province, et Yonal Kailot, puis me sorti, mal joué domino dans le voisinage. Et j'ai joué domino à quatre, mon associé. Et puis, ce soir-là, j'ai quatre vieilles. Et quand j'ai domino, quatre vieilles, Ah, m'a besoin d'où? Au Tinex de Port-au-Prince, ou un paysan dehors, et puis pense au fort, et puis paysan, bon, quatre vieilles dans le domino. M'a besoin d'où dans le résipi au passé. Ça, on te comprend, nous, et bout de la crée, on connaît, on pose qu'on est, quatre vieilles à zéro. Ma chambre, ça. Ou bien aimé l'intimité avec Dieu. Leurs amis, bon Dieu. Pas que personne qui t'a pensé comme ça. Et le m'a retourné la nuit là, sorti côté à pour mal la caille, moi. M'a retourné bredouille. Vexé, parce que m'a quatre vieilles. Mais puis gros problème, moi, c'était un problème spirituel. Gon bagay ka bouyi an dan. Depuis nan out la, le mouive m'pa ka priye, ba la bouyi an dan. Matthieu 15, le verset 6. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ah! Ba la travay, moi m'pa ka dormi. Mouive nan out la, m'dormi, m'leve m'priye. C'est un sac passé qui s'envole, c'est. Et ça, pas qu'à sortir un homme, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition qui sauve en ces là. Et puis le Seigneur ouvert, j'ai pas voulu jouer domino. Après, pas voulu jouer, ça qu'il faut obéir. Il dit, c'est à me répandre. Je vais faire ça encore. Mais je vais pas mon chance. Je vais quitter demain si je vais aller pour me remettre. Qui te remède bien. Et la paix de Dieu envahit comme. Et puis me dormi. Demain, si Dieu veut, je prends même associé que tu as avec moi. Je prends deux autres nègres encore, même nègres. Et puis nègres dit, ah, des petits ploumio. Même pas parler. Je compte samedi avec mon Dieu. Et puis je commence à jouer. Quoi si nous voulons, les gens qui comptent jouer domino. Yo. En tombe et fait deux cabesses, me fait 16 mais yon de l'autre. 16 divisé par 4, ça va 4 vieilles là, moi mettre. 16 mais, me chita sous sable là, 16 mais yon de l'autre. Ça n'est pas dit quick. 16 mais yon de l'autre. Et puis me mettre 4 vieilles là, me frappe même sous table là. Bon, depuis lors, jour que je ne jodia, je ne jamais joué domino, ni à famille, ni à protestant, ni à païen. Et je dis à moi, ne protestant, à jouer ceci, cela, moi-même, je n'ai pas toute cette liberté. Amen. Je reconnais que ça, ce n'est pas l'école biblique de la Brenny, ce n'est pas l'école théologie, ce n'est pas la classe, l'école dominicale, mais c'est le professeur par excellence qui m'a enseigné. Et je comprends de ce texte parce que le verset 27 qui dit dans Jean 14, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais ce texte, l'aime analysé que moun qu'on a enseigné sur la paix ou bien prêché sur la paix, cette paix-là, c'est pas pour le monde. Cette paix-là, quand nous savons comment il faut interpréter un texte, la paix ici, dans verset 27-là, lui tombe dans le contexte Saint-Esprit. Ça voulait dire que la paix ici, c'est pas pour le monde, mais c'est pour les croyants. Amen. Ça pour faire ne pas troubler. Même Jean nous takawe, le monde vire tête en bas. C'est cet esprit que l'on nous qui pour rendre nous tranquille. Si vous n'avez pas cet esprit, vous n'avez pas la vraie paix. Vous devez comprendre ça. Parce que l'homme fin prière, cet esprit financé,
moi prier, moi repentir et puis la paix retourne. Avant, on était troublé. Après, la paix intérieure est venue. Amen. Amen. Je regrette que je n'ai pas fait toute soirée avec vous, que ce soit par force physique ou bien pourtant, tu as enseigné sur le Saint-Esprit en tant que ministère. Amen. Moi, même prie encore de grâce. Fais-en bien avec elle. Son bon teacher. Amen. Son bon teacher. Son bon enseignant. Amen. Et lui conduit nous. Amen. Il est là pour nous aider dans notre faiblesse. Amen. Nous gagnons un intercesseur de l'extérieur, qui c'est Jésus-Christ. Cet intercesseur de l'extérieur, il est à la droite de Dieu. Mais nous avons un intercesseur de l'intérieur, qui c'est Saint-Esprit qui en donne nous. Que des fois, dans la prière, nous ne savons pas qui ça pour nous demander. C'est lui qui dit nous, mais pour qui ça pour nous prier. Amen. Elle dit nous pour qui ça pour nous prier. Son bon intercesseur, je l'aime. Amen. Et je chéris son ministère. Chéris ministère lui. Son bon intercesseur. Moi, songe dans ma vie, dans traversant une situation difficile. Et j'étais assez très jeune dans le ministère. Moi, encore jeune, je respectais tout ancien. Je pas quoi moi-même, je suis ancien. Je suis comme son petit jeune ouvrier. Et là, ça m'était plus jeune encore. Nous avons traversé un moment extrêmement difficile. Nous n'avons pas de guide qui pouvait qu'aimer même. Même songer une servante du Seigneur, l'aller sous la montagne pour prendre sa boutillier, l'aller dans le jeûne, la gêner. Et nous pas de communiquer avec elle. Pas de technologie que je ne veux dire, pas de moyens de communication que je veux dire. Mais seulement le te connaît. Mais l'arrivée dans le jeûne, il dit qu'il y a un bagage extraordinaire qui passe. C'est que l'arrivée dans le jeûne, il n'y a pas qu'à faire aucune requête, prière que le te allé pour la faire. Il n'y a qu'à faire un seul bagage, sinon prier pour moi. Alors que j'étais en difficulté sur le plan spirituel et ministériel. Il n'y a qu'à faire un seul bagage. Priez pour moi seulement. À ce moment, ça a interpellé pour chercher au monde qui pourrait me le dire. Mais j'ai les bons problèmes, puisque mal sous la montagne, mal gêné pour tête, moi, je ne suis pas capable de gêner. Moi-même, c'est pour lui seulement qu'à la prière. Certainement, si ça arrivait, c'est parce que lui l'ont en difficulté. Et effectivement, moi, j'étais en difficulté. Moi, lui, pas te connaît, je ne pas demander la prière, mais l'intercesseur que j'ai, cet esprit qui est là pour m'aider dans ma faiblesse, lui oriente pour la prière pour moi. Et je suis sorti victorieux dans un moment difficile là, et ça fait me camper là, je veux dire. Chéri ministère. Amen, l'église. Chéri ministère. Amen. Chéri ministère. Oh, je vais répéter. C'est un ami. C'est un frère. C'est pasteur Belab. Belab. Belab Roosevelt. Je peux citer son témoignage. C'est pasteur assistant à l'église de Dieu de la Croix des Bouquets. Nous étions ensemble à Boston, semaine dernière, à supporter le ministère de Radio Lumière. Il a été enlevé par les ravisseurs, kidnappés, te prend le mois dernier à Port-au-Prince. Kidnappés, prend. Le kidnappé prend, il était rentré depuis 24 heures dans la zone côté le TIA. Il a fait tout ça où tu voulais. Et ils ont enlevé avec trois autres mouns et allé avec lui. L'arrivé, chef Bandia, que je me garde de citer son nom, lui reconnaître lui, lui vint côté vers 10 heures du soir. Il parle avec eux. Il prêche ce qu'elle dit dans toute machine. Et là, elle prend le fait minuit. Chef bandit a venu. Li dit li. Bab ka kito la. Bab voyo ale. Elle dit, monsieur yo, prends monsieur. Mène l'ale. Et monsieur vini avec Radou Gansouli. J'ai dit, le gon magie.
Il va lui faire là à minuit. Il va catholiser monsieur là. Oui, monsieur Ali. Il dit, la nuit là, il est intercédé pour toi, nec qui t'en s'en avec lui. Cher bandit, à vous y aller. Mais ce n'est pas là le témoignage. Le témoignage, c'est la veille que ça va arriver. Il dit, à 11h du soir, cet esprit révèle. Il dit, la prière. La prière. Il dit, mais prière à fin. Mandez bon Dieu un esprit supérieur. Mandez bon Dieu un esprit d'autorité. Voilà, ça le mandé dans prière là. Ça avait le traversé minuit. Et puis le lendemain, kidnappeur pral vin pral là. Li pat konne, kidnappeur ta pral vin pral. Li pat konne pour te faire prière ça yo. Mais cet esprit réveil, qui pat vle que yo pral, li mandé le meilleur quatre pour faire. Amen. Oh, lorsque nous pas connaissons qui ça pour demander dans prière nous, le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables. Il est intercédé pour nous. Amen. Oh, Jésus dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. C'est lui qui a révélé nous les secrets. Amen, l'église là. C'est lui qui te dit, mais où est quête pour faire? Et cela arrive très souvent à chacun de nous, que nous ne pas connaître ça pour demander. Nous ne connaissons pas qu'on est pour le traverser un moment difficile. Et puis cet esprit dit, rentrez dans le jeûne. Rentrez dans la prière. Faites la requête. Et puis l'on garde pour le bagage là. Il était vrai. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pas mener vie sans cet esprit. Vous voulez dire mon bon côté là, ça moi, pas mener vie ou sans.